Vous voyez, dès qu'on parle, l'artiste le plus malhonnête du Cameroun apparaît. Il n'y a pas plus malhonnête que Ken Fark dans le showbiz. Je vous le dis et je vous réaffirme. Il n'y a pas quelqu'un qui a volé les chansons des gens comme Malox dans le showbiz. Il n'y a pas quelqu'un qui a plagié, qui a samplé les chansons des gens comme Ken Fark dans le showbiz. Il doit s'éloigner. Regardez, il est comme ça une fois de plus en train de vouloir venir voler la petite étoile qui reste encore après s'aimer. Son son, ça sort comme ça sort, est une pâle copie de Coller la Petite. Qui ne sait pas ça? Tuer pour tuer n'est pas sa chanson. Malox a plagié, il a samplé combien de chansons? Malox a samplé un artiste ivoirien là. Sa chanson, il a une chanson là qui est un pur sample d'un artiste ivoirien. Tout le monde peut parler de cette histoire, pas lui. Personne n'a volé la musique comme lui. Il a vidé l'encyclopédie musicale de Ivo. Dès qu'il a fini de sucer Ivo, il a jeté. Dites-moi l'artiste que Ken Fark a déjà aidé un jour dans sa vie. Et il a fait combien de featuring pour aider ses frères camerounais? Que patrimoine camerounais? Il y a des choses qui me tensionnent. Ne faites pas jouer ma bouche ici là. Je m'agresse sur toi, Ken Fark. Il y a des choses qui me tensionnent. Tu connais très bien que nous deux là, quand on se croise sur un terrain, tu tombes toujours. Donc éloigne-toi de Prince Aimé très vite. Tu n'as aidé aucun artiste durant ton succès. Ce n'est pas maintenant que tu vas vouloir l'aider. Et ne le laissez pas s'approcher de Prince Aimé. Voilà ça que je vous dis. Il s'est approché du petit qu'on appelle, c'était Petit Fally. Le petit là a disparu. Demandez à Ken Fark de s'éloigner très vite de ce qui se passe là. Un malhonnête comme ça. Un malhonnête. Il n'a même pas honte. Mais va gérer ton bar. On a compris que ta meilleure place était derrière la caisse du bar. Va gérer ton bar, frère. Mais ne viens pas donner les mots de tête aux gens. Ne donne pas les mots de tête aux gens. Quitte derrière ce que tu veux faire là. Et pour vous montrer que c'est un monstre, regardez comment il est en train de détruire ce que Desbordeaux est en train de faire depuis la Côte d'Ivoire. Il vous parle du patrimoine. Il a aidé quel jeune artiste? Les ténors au moins sont lancés les labels. À l'époque, il a créé le label Zone de Rap. Il passait son temps à voler les chansons des rappeurs de Zone de Rap. Malox a volé combien de musiques des artistes de Zone de Rap là-bas, dans son sale petit studio qu'il avait à Biémassé, là. Au truc là. On appelle ça comment? Au Rampo Billy là. Au Carrefour Billy. Où sont passés les projets de Master Okla? Hein? Tous les artistes qui avaient signé à Zone de Rap, il n'a aidé personne. Ce n'est que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Même les artistes là n'entrent pas dans son piège. Il veut faire le featuring là, pam pam. Il va taper ses chemins. Il sera le premier à aller dans les entreprises et décaisser l'argent avec. Ken Fark, apprenant ton chaos, le dit pense à vie. Apprenant ton chaos, les artistes ils vont être en vue. Tu n'as jamais créé un mouvement pour réunir les artistes et faire une chanson. Une bande de paresseux comme ça. Réunissez, vous faites une chanson. Allez retirer, allez déterrer les Matinong, allez. Hein? Allez déterrer tous ceux du Makosa qui ont disparu là. Pourquoi c'est Suprême Sébé que vous venez vous attarder? C'est le seul artiste. Dans la carrière est finie. Allez déterrer. Tout le mérite de cette histoire revient à Longuet. Tout le mérite lui revient. Et observez bien. Il va faire au moins 300 publications dans une semaine. Avec au moins 100 directs. Observez bien. Vous savez, quand on accrabe le bandit, la main dans le sac, il veut tout faire. Il s'agite. Hein? Contrairement à vous, je suis venu avec une approche. Une approche de vérité, une approche de paix. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détourné l'attention pour ramener ça sur vous. Tu t'appelles Malox, tu t'appelles Tenor, tu t'appelles Minx. Réunissez-vous, faites une chanson entre vous, on voit ça va marcher. Faites une chanson entre vous, si vous êtes très fort. Vous n'avez pas besoin de venir faire le remix du remix de quelqu'un. Vous voulez remixer ce que Desbordeaux va remixer comment? Attendez, vous faites une chanson entre vous. C'est quoi cette histoire où vous venez démontrer votre faiblesse là? On sait que vous êtes faible, que vos carrières sont en fin, que vos carrières sont en panne. Mais ne profitez pas de l'occasion pour venir faire vos conneries là. Hein? Réunissez, vous faites une chanson. En Côte d'Ivoire, on a vu comment les artistes se sont réunis pour le mariage de Kérosène. Au Cameroun, quand les artistes se réunissent, c'est généralement pour le Congo ça. Pour voir qui on va empoisonner, pour former les clans, pour rester king, pour se dire king. Je suis le king, je suis le roi, je suis le ceci. Mais rien, c'est-à-dire que king comme ça, mais rien en dessous. Regardez la musique cambounaise, dites-moi la musique qui marche. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays où il y a des artistes talentueux, que ce soit Nyangodon, c'est comment jouer la fleur, qui tient le contrôle des choses. Ça veut dire que ça ne marche pas. Dans un pays où il y a des artistes talentueux, Nyangodon ne peut pas régner. Voilà les lille où c'est grand baraque, ils vont régner comment? Ils font comment pour régner? Ça veut dire que c'est faible et c'est mort.
Et à l'époque, les princes aimés, à l'époque du Makossa, il n'y avait pas des artistes comme les Nyangono. Il n'y en avait pas. Hein? Même les gens qui faisaient un peu le désordre, c'était les Wopso comme ça. Wopso chantait même bien. Hein? Vous venez nous déranger les mots, donner les mots de tête aux gens. Mais qu'un fac, en prenant ton chaos, l'oiseau a vu. Et tu sais que où tu te mets mal, je t'arrange toujours. Donc où tu veux te placer là, quitte vite. Alors, tu sais que personne n'a volé les chansons. Personne n'a plagié. Personne n'a samplé les musiques des gens comme toi. Tu as volé les projets des artistes dans ton studio. Tout ce que Avio avait dans son ventre, tu as tout retiré. Après, tu l'as jeté. Fais attention. Où est passé Petit Fally? Tu as mis Petit Fally ou pendant qu'on y est? N'importe quoi. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, j'ai dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundimal, Yaoundé, au lieu dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fundimol. Téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net. Site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power.